Zahardonia qui me demande, as-tu une période de l'année, une saison préférée pour lire? Il y a deux saisons que j'aime beaucoup, l'hiver parce que il fait froid dehors, souvent il neige ou voilà il fait gris, et c'est quand même bien de lire sur son fauteuil avec une tasse de thé, une petite couverture et son bouquin, c'est super agréable. Et sinon j'aime beaucoup le printemps pour lire parce que là bah, c'est le contraire, on peut aller se mettre à l'ombre sous un arbre, pieds nus dans l'herbe, on peut se caler comme ça avec un bouquin, avec une toute petite brise légère, et c'est quand même vachement agréable. D'ailleurs, à choisir entre les deux, je prends la lecture printanière qui me correspond un petit peu plus. Zahardonia me demande, lis-tu avec de la musique? Et un livre des mots me pose la même question en me demandant quoi si je lis avec de la musique. Donc oui, je lis tout le temps avec de la musique. De toute façon, il y a tout le temps de la musique chez moi ou dans mes oreilles si je ne regarde pas une série ou un film. Par contre, quand je lis, j'écoute pas une musique dont je connais les paroles et sur laquelle je pourrais me tortiller et danser et chanter à tue-tête parce que sinon j'arrive pas à me concentrer. Par contre, je lis avec de la musique de film, des BO de film, de la musique classique ou de la musique dont je ne comprends pas les paroles, que je ne peux pas répéter. J'aime beaucoup les BO de films genre Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Les Brumes d'Avalon. Sinon, la musique classique, bah, je sais pas, Mozart, Beethoven, Prokofiev. Voilà, ça m'arrive de lire en écoutant ça. Ou par exemple des artistes comme Lorina McKennitt, même si je connais les paroles et que je comprends le sens, j'aime bien l'écouter quand je lis parce que c'est hyper apaisant et là aussi ça fait voyager, ça fait s'évader. J'aime aussi beaucoup lire en écoutant Daemonia Nymph. Donc là c'est plus de la musique antique grecque, donc c'est très une atmosphère très particulière. Mais là dernièrement je lisais le troisième tome de La Voix des Oracles qui se passe pendant l'antiquité gréco-romaine. Et donc forcément, voilà, c'était tout indiqué d'écouter Daemonia Nymph, ça donne une atmosphère un petit peu particulière. Dernière question de Zahardonia, lis-tu des e-books et où sur Wattpad? Oui, je lis des e-books sur ma liseuse, ma Kobo, qui est ici avec sa pochette violette. Vous voyez, je suis en train de lire le deuxième tome de 50 nuances de Grey parce que j'avais envie d'un truc vraiment très 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 détente et pas prise de tête ces derniers jours. J'ai eu beaucoup d'émotions côté professionnel et personnel puisque j'ai passé un entretien pour un boulot, j'ai été visiter des maisons. Et bref, j'avais envie d'un truc pas prise de tête pour lire, un truc qui me détendrait et vraiment qui me viderait la tête. Donc je me suis lancée dans le deuxième tome de 50 nuances de Grey et en fait bah, c'est un peu prise de tête finalement parce que j'avais oublié à quel point j'avais pas aimé le premier tome en fait, je sais pas pourquoi je lis le deuxième. Parce que franchement j'ai lu la moitié quasiment, mais il se passe rien dans cette histoire. À part des scènes où ils s'envoient en l'air, vraiment le fond est complètement creux. Et les dialogues, mais c'est d'un risible. Mais bon, j'ai commencé, je me dis je vais quand même essayer d'aller au bout parce que je ne sais pas ne pas finir un livre. D'ailleurs c'est une question qui arrivera un peu plus tard. Bref, je lis des e-books sur ma Kobo. Ce sont soit des œuvres classiques libres de droit, donc que j'ai téléchargées gratuitement et légalement, soit des livres que je possède en version papier et que j'aime bien avoir en e-book dans ma liseuse pour pouvoir partir en vacances avec plein de livres. Il me faut le livre papier dans ma bibliothèque, le numérique c'est vraiment un complément. Et pour finir, non, je ne lis pas sur Wattpad. Ensuite, Julie me demande, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton blog? Un roman, une envie de geek, et donc te souviens-tu du titre qui a inauguré Skyrock? Et Jason, un peu plus tard, m'a posé la même question avec, en complément, qu'est-ce qui m'a donné envie de me mettre aux vidéos? Alors, j'ai créé mon blog en juin 2006, donc ça fait 10 ans maintenant. Je l'ai créé juste avant d'entrer en première année de lettres modernes à la fac. Et en fait, j'ai eu envie de créer ce blog parce que j'ai ressenti le besoin de me pencher, de réfléchir à mes lectures, parce que j'avais peur en sortant d'un bac S de ne pas réussir à avoir l'esprit assez critique, assez aiguisé en arrivant en licence de lettres modernes. J'avais peur d'être un petit peu perdue. Donc je me suis dit, tu vas profiter de l'été pour te poser des questions sur les livres que tu peux lire. Alors ça sera peut-être des livres de fiction, pas forcément des classiques, mais tu vas essayer de décortiquer un petit peu ce que tu ressens. Est-ce que c'est bien écrit? Qu'as-tu pensé des personnages, de l'histoire, du rythme? Voilà, j'ai commencé comme ça. C'était un besoin
une envie mais aussi un besoin je pense pour me rassurer avant d'entrer en première année de lettres modernes. Et j'ai bien fait de suivre cette envie et ce besoin puisque depuis 10 ans j'ai pas arrêté. Et oui, je me souviens très bien du livre qui a inauguré le premier article sur le blog Skyrock. C'était le premier tome des Reines pourpres de Jean-Louis Fedjen, encore Fedjen, vraiment c'est un auteur qui a marqué ma vie de lectrice. Premier tome qui s'appelle Les voiles de Frédégonde et c'est chez Bellefond. C'est un livre historique qui parle du Haut Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge c'est ce qui s'est passé avant l'an 1000, une période qui est assez peu connue et là on va suivre une héroïne assez forte qui va vivre des événements un peu dramatiques, genre un viol, un mariage forcé, etc. Les joyeusetés de l'époque hein, en somme. Et je me souviens que j'ai acheté ce livre alors que j'étais en vacances en Haute-Savoie chez mon amoureux de l'époque et j'ai acheté ça dans une station de ski. Qui, je sais pas si c'est à Chamonix ou peut-être par là, enfin bon bref, dans une petite librairie dans laquelle je ne suis rentrée qu'une fois à ce moment-là pour acheter ce bouquin. J'avais vraiment très 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 envie de lire ce livre puisque j'avais vu que c'était Fedjen, que c'était un roman historique, j'aimais beaucoup l'historique à l'époque, et donc sitôt acheté, sitôt lu. Ce qui n'arrive plus jamais maintenant puisque avec les 800 livres de ma pile à lire, je lis un peu au feeling. À l'époque, j'avais peut-être 10-15 livres dans ma pile à lire, donc je lisais les livres directement quand je les achetais quasiment, ce qui n'est plus le cas maintenant. Quant aux vidéos, je me souviens que c'était au mois de mai, c'était il y a 4 ans je crois, donc en 2012, et c'était au retour d'un vide-grenier. J'avais envie de présenter les livres que j'avais achetés lors de ce vide-grenier, j'en avais acheté pas mal. Pourquoi à ce moment-là précisément? Je sais pas exactement. Quand j'étais petite et adolescente, j'étais très réservée, pas timide mais très réservée, et moi parler en public c'était vraiment la torture, c'était une horreur. Quand il fallait aller au tableau en classe, mais j'avais envie de pleurer quasiment, c'était faire un exposé devant une classe de 20-30 élèves, mais c'était une épreuve, vraiment une épreuve. Et je pense que je me suis dit, bah allez, essaye les vidéos, ça sera peut-être un exercice sympa, c'était un petit défi que je me lançais. Et depuis, c'est un challenge complètement réussi, puisque maintenant, mais sans être complètement à l'aise à l'oral, j'ai quasiment plus aucun problème quand je me retrouve dans un oral face à des gens, hein, que ce soit dans un entretien d'embauche, par exemple, où je me sens beaucoup plus à l'aise. En fait, je suis assez... Ouais, je suis à l'aise. La preuve, vendredi dernier, j'ai passé un entretien devant 3 personnes, et ça s'est bien passé, je me suis sentie bien, bon, toujours un petit peu de stress, mais... Voilà, et c'est vraiment grâce aux vidéos, ça m'a décomplexée. Et ça m'a vraiment aidée à améliorer ma diction, mon oral, ma confiance en moi. Franchement, si vous êtes timide, si vous êtes réservé, si vous avez du mal à prendre la parole en public, allez-y, lancez-vous dans l'exercice des vidéos. C'est vachement enrichissant, très formateur. Depuis 4 ans, je m'amuse, j'adore cet exercice. J'espère que je m'améliore au fil des vidéos, je ne sais pas. En tout cas, j'essaye de rester naturelle. Un livre démo me demande combien de temps et quand a duré ta plus grosse panne de lecture. Alors, je n'ai jamais eu de panne de lecture. D'ailleurs, j'aime pas trop ce terme qu'on utilise un petit peu à tort et à travers. Il y a des gens qui vont pas lire une soirée et le lendemain, ils vont dire « Oh là là, j'ai une panne de lecture, j'arrive pas à lire et tout ». C'est normal d'avoir des jours où on ne lit pas, tout simplement parce que peut-être on n'a pas le temps, parce qu'on a peut-être envie de faire autre chose, de regarder un film, d'aller au cinéma, de regarder une série télé, de jouer à un jeu vidéo, et donc on ne va pas lire pendant un jour, parfois deux, parfois trois jours, quatre jours. Voilà, je trouve ça normal. Pour moi, c'est pas une panne de lecture. Et donc, il m'arrive plus ou moins régulièrement de ne pas lire pendant deux ou trois jours. Alors, ça me manque. Franchement, ça me manque. Mais tout simplement parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai autre chose à faire, parce que j'ai d'autres obligations qui font que je ne peux pas ouvrir un livre, ou parce que tout simplement j'ai envie de faire autre chose que de lire. Pour moi c'est pas des pannes de lecture, c'est parfaitement normal, donc il faut pas se mettre la pression si pendant deux jours on ne lit pas. Voilà, on peut faire autre chose, c'est pas grave. Un livre démo me demande, aimes-tu le genre dystopique? Oui, j'aime bien, mais avec modération. Je trouve qu'on en a trop eu ces derniers temps et que le schéma est toujours le même. On n'arrive jamais à vraiment entrer en profondeur, je trouve, à mon goût. Ça reste trop en surface, toujours avec le même schéma narratif, quasiment avec les mêmes personnages. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que la première dystopie que j'ai découverte,
suite, c'était Hunger Games, et je pense que c'est la seule qui m'a vraiment marquée. Après, j'ai essayé de lire Divergente, j'ai lu les 3 tomes de la trilogie, mais j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas vraiment accroché, ça m'a pas plu plus que ça. J'ai lu d'autres dystopies depuis, toujours pour la jeunesse, mais vraiment rien qui sort du lot. Pour moi, la plus réussie, mais c'est peut-être parce que c'est la première que j'ai lue, il me semble, c'est Hunger Games, qui me reste vraiment en tête. Et qui, je pense, mérite le détour. Toujours un livre des mots me demande « Peux-tu lire à n'importe quel moment de la journée ?» Oui, il n'y a aucun souci, il faut juste que j'ai le temps. Parce que je travaille à temps plein et donc je peux difficilement lire à 14h par exemple, dans une semaine normale. Quand je suis en vacances, je peux lire à n'importe quel moment de la journée. Ça dépend de mes envies, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, ça dépend de mon emploi du temps. Voilà. Mais oui, j'ai pas de moment privilégié pour lire. Lorenzo me demande quel est ton livre très standard préféré. Alors là, la question est super compliquée. Je n'ai pas vraiment un livre d'art préféré. Évidemment, les livres d'art que je préférerais peut-être feuilleter et lire, c'est les livres d'art qui traitent du pré-raphaélisme. Je vous ai sorti le livre de Waterhouse que j'aime beaucoup, qui est très beau. Et je vous ai sorti le livre d'exposition que j'avais acheté lors de l'exposition justement Beauté, morale et volupté dans l'Angleterre d'Oscar Wilde. C'est une exposition qui a eu lieu il y a quelques années au musée d'Orsay que j'avais beaucoup aimé. J'étais allée y faire un tour et en souvenir, j'avais acheté une affiche et le livre concernant l'exposition. Voilà, c'est pas tellement des livres en eux-mêmes que j'aime beaucoup, c'est plutôt le thème qu'ils abordent. Après, sincèrement, j'aime tous les livres d'art. Dès qu'il y a des belles images avec des belles reproductions en couleur, je trouve qu'un livre d'art c'est hyper agréable à feuilleter, même sur des thèmes qui me parlent pas plus que ça à la base. Je trouve que c'est des livres très très beaux à lire, à feuilleter et à avoir dans sa bibliothèque. Le problème avec les livres d'art c'est que ça coûte généralement assez cher. Donc on n'en a pas énormément, j'en ai pas beaucoup beaucoup. Les mondes de Lutien me demandent « Quel est l'endroit le plus bizarre où tu es lu ?» Aux toilettes, mais c'est pas forcément bizarre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent aux toilettes. Non, j'ai peut-être lu dans la forêt, peut-être. Ça m'est déjà arrivé de lire en forêt. C'est pas forcément bizarre, peut-être un peu inhabituel, mais c'est assez agréable de lire en forêt. Voilà, je pense que c'est vraiment l'endroit le plus bizarre où j'ai pu lire. J'ai essayé de réfléchir, mais j'ai rien trouvé de très original. T'arrive-t-il d'abandonner un livre et de le reprendre plus tard pour te rendre compte que finalement tu l'aimes bien? Non, je n'abandonne jamais un livre. C'est un tic que j'ai, je n'arrive pas à abandonner un livre. Même si je vais le lire un petit peu en diagonale, même si je vais passer les pages assez vite, je dois absolument aller à la fin du livre. Sinon, il va rester dans un coin de ma tête et je vais jamais être tranquille. C'est un tic complètement, un tic de lecteur, de lectrice. Mais il faut que j'aille au bout d'un bouquin. Je pense que j'ai quasiment jamais abandonné de livre de ma vie. C'est pas possible pour moi, je n'y arrive pas. En réfléchissant à cette question tout à l'heure, je me suis demandé si j'ai abandonné le journal d'un curé de campagne de Bernanos que j'ai dû lire lors de ma première ou deuxième année de lettres modernes, deuxième année peut-être. Je me souviens plus si je l'ai lu jusqu'au bout ce livre ou si je l'ai abandonné tellement j'ai détesté ce bouquin, d'ailleurs j'en ai aucun souvenir. Et je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, je l'ai redonné, revendu, retroqué, je ne sais plus. Bref, j'arrive pas à me souvenir si je l'ai terminé ou pas ce livre. Bon. Donc j'ai peut-être abandonné celui-là. Et un autre que j'ai abandonné, mais sans être vraiment un abandon, c'est le diptyque Succession de Scott Westerfield. En fait, on peut pas vraiment dire que je l'ai abandonné parce que j'avais les 2 tomes en intégrale. Je suis arrivée au bout du premier tome et j'ai pas lu le deuxième. Donc j'ai quand même lu le premier tome en entier, c'est juste que j'ai lu que la moitié de l'intégrale en fait, mais sinon j'ai quand même lu le premier tome en entier, donc je sais pas si on peut vraiment parler d'abandon. Voilà, je crois que c'est les 2 seuls livres que j'ai abandonnés, mais c'est pas vraiment des abandons non plus, vous jugerez par vous-même, mais je déteste laisser un livre en plan. En fait, je dis une bêtise, il y a un autre livre que j'ai abandonné, mais ça n'a pas vraiment été un abandon net précis, c'est plus que je l'ai laissé traîner et qu'au final, je l'ai arrêté et je m'en suis même pas rendu compte. C'était il y a quelques années, j'avais commencé Belle du Seigneur de Albert Cohen. J'ai lu 100 ou 200 pages, je crois, et puis ensuite j'ai dû le laisser de côté parce que j'ai dû lire autre chose, et puis au final je l'ai tellement laissé de côté longtemps que je l'ai jamais repris, donc j'ai jamais terminé Belle du Seigneur de Cohen. Mais c'était pas vraiment une volonté de ma part, c'est plus l'environnement et
la force des choses qui a fait que. Mais n'empêche, il faudrait quand même que je le lise, ce Belle du Seigneur. C'est un gros pavé d'ailleurs. Et je l'ai encore. Oui, je ne l'ai pas revendu, retroqué. Il fait partie des classiques qu'il faudrait que je lise et qui est dans ma bibliothèque. Deux autres questions de la part de Beyond the Lines qui me demandent. J'essaye de m'intéresser aux petites maisons d'édition, mais je n'en connais pas beaucoup. Quelles sont celles que tu préfères? Alors effectivement, j'aime beaucoup les petites maisons d'édition. J'aime beaucoup les mettre en avant. Je trouve qu'on peut trouver des perles dans les petites maisons d'édition françaises, celles que je connais. J'aime particulièrement la maison d'édition du Chat Noir. Je possède, je pense, une trentaine de leurs titres. Ils ont un catalogue qui est de plus en plus conséquent, donc je n'ai pas tous leurs livres, mais j'espère arriver à tous les avoir un jour ou l'autre. Alors c'est un peu dur parce que là, il y a quand même plus de sorties par an que ce qu'il y avait il y a 5 ans, puisque c'est une maison d'édition qui a 5 ans maintenant. Et donc je peine à rattraper un petit peu mon retard, mais j'essaye. Je trouve que c'est vraiment une petite maison d'édition imaginaire vers laquelle il faut se tourner parce que c'est une maison de qualité. Déjà, les livres objets sont magnifiques, les couvertures sont généralement une tuerie. Alors, je les aime pas toutes, j'avoue, hein. Il y a certains styles que j'aime moins que d'autres. Mais globalement, ce sont des objets magnifiques, des livres objets magnifiques. Ensuite, niveau texte, je trouve qu'on a également toujours de la qualité. Et ce que j'aime bien aux éditions du Chat Noir, c'est qu'on va avoir un fond qui est riche, des histoires qui tiennent la route, des beaux personnages, des intrigues qui sont intéressantes. Mais les auteurs qui sont choisis pour faire partie de la maison d'édition sont des auteurs qui arrivent à proposer des styles, des plumes qui sont fluides, qui sont simples, pas simplistes, mais qui permettent de nous évader. Parce que parfois, on a certains auteurs, en imaginaire ou ailleurs, qui vont nous proposer des intrigues, des fonds qui sont super riches, mais également une plume qui est pas très abordable. Et c'est pas forcément très agréable de parcourir ces livres-là. Et là, je trouve qu'on a vraiment le juste milieu du côté du style de la plume de tous ces auteurs qui sont publiés aux éditions du Chat Noir, c'est qu'on n'a pas des textes trop simplistes, mais des textes qui sont travaillés juste comme il faut et qui sont abordables, qui sont fluides pour le grand public. Voilà, donc vraiment les éditions du Chat Noir, c'est une maison d'édition que je vous recommande. Autre maison d'édition que j'aime bien, c'est les éditions d'Hurier, qui font également un beau travail sur leurs livres objets, qui publient un petit peu moins de titres par an, parce qu'ils ont un peu plus de difficultés financières, je pense. J'en ai lu moins qu'aux éditions du Chat Noir, mais quasiment tous les titres que j'ai lus chez eux ont été de très très belles découvertes. Côté fond, forme des textes, c'est aussi de très beaux textes, donc vous pouvez y aller. J'aime aussi beaucoup les éditions de L'Homme sans nom qui publient des choses là aussi très intéressantes, de très beaux livres objets. Et par contre, si on compare avec les éditions du Chat Noir, je trouve que les éditions de L'Homme sans nom mettent la barre un petit peu plus haut au niveau du style. C'est peut-être un peu plus dense côté forme, côté style, plume des auteurs, mais ça reste quand même abordable pour le plus grand nombre et hyper appréciable, de très beaux titres. Dernière petite maison d'édition que j'aime beaucoup. Petite, je suis pas sûre que ce soit vraiment le qualificatif qui convient le mieux à cette maison. Ce sont les Moutons Électriques qui là font un travail mais magnifique sur les livres. Les livres objets sont un peu chers, mais franchement les livres sont magnifiques. Généralement c'est du relié. Et même quand c'est souple, les livres sont super beaux. J'aime beaucoup la ligne graphique de la maison d'édition. Et en plus, on a des auteurs aux Moutons Électriques, pareil, une qualité de texte, une qualité d'intrigue, d'histoire, de personnages, de contexte absolument géniale, dans des thèmes, des contextes très différents les uns des autres. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez la très très bonne littérature imaginaire française, aller aux Moutons Électriques, franchement ça vaut le coup. Deuxième question, tu as parlé plusieurs fois d'une initiative, d'un blog pour découvrir ces petites maisons, est-ce que tu peux me rappeler le nom? Donc c'est l'initiative Un mois, une maison, un achat qui est organisée par Vision Livre. Vous avez l'événement qui est publié chaque premier du mois sur Facebook. Et en fait le principe de ce petit rendez-vous, c'est chaque mois mettre en avant une petite maison d'édition différente.
la mettre en avant en achetant des livres sur leur catalogue. Pour l'occasion, il y a souvent des promotions. Parler de ces petites maisons d'édition tous les mois, donc lire leurs livres, faire des articles, relayer les liens des sites sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Bref, c'est un rendez-vous, un événement que je trouve vraiment très important de mettre en avant. Surtout, n'hésitez pas à y jeter un œil. Orphéa Laurette me demande: parmi tous les auteurs vivants, avec lequel aimerais-tu passer une journée entière à parler de bouquins? Auteur vivant, compliqué. Si on m'avait demandé un auteur tout court, j'aurais dit Barjavel, parce que j'aurais adoré parler de littérature avec lui et de plein d'autres choses. Là, en réfléchissant à cette question et par rapport aux dernières lectures que je viens de faire, j'ai envie de répondre Sorge Chalandon, pas forcément pour parler de littérature avec lui, mais pour parler de l'Irlande et de son expérience en Irlande du Nord notamment. C'est vraiment un monsieur que j'ai découvert très récemment en lisant Mon Traître, mais j'ai regardé depuis plusieurs interventions sur YouTube où il parle de cette rencontre qu'il a faite avec l'Irlande, de cet amour qu'il a développé pour ce pays, et je me reconnais vraiment énormément dans ce qu'il peut dire, donc j'adorerais le rencontrer pour parler de l'Irlande avec lui, et pourquoi pas parler de littérature également, mais pas en priorité. Et enfin, dernière question qui est posée par Ondine: as-tu souffert de préjugés concernant les lecteurs? Ton anecdote la plus drôle à ce sujet, si drôlerie il y a eu? J'ai pas tellement souvenir d'avoir souffert de préjugés concernant la lecture quand j'étais jeune. Peut-être un peu plus tardivement quand j'étais adolescente et jeune adulte, parce que il m'est arrivé plus ou moins régulièrement de refuser des sorties avec des amis, tout simplement parce que j'avais eu une semaine chargée et que je préférais le week-end rester chez moi à bouquiner ou à m'occuper de mon blog, des vidéos, et sans que ce soit des préjugés ou des railleries vraiment très méchantes. Oui, j'ai parfois eu en retour des regards un petit peu énervés, comment tu peux préférer passer le week-end chez toi à bouquiner et à t'occuper de ton blog plutôt que de sortir. Mais globalement, voilà, j'ai jamais souffert de ça parce que j'ai toujours fait ce que je voulais et que j'en avais absolument rien à faire de ce que les autres pouvaient penser. Si je disais non et que ça plaisait pas à mes amis et aux autres, et ben c'était tant pis pour eux. Moi j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, ce que j'ai aimé. Si j'avais envie de rester un week-end chez moi à bouquiner plutôt qu'aller faire la fête dans un bar de Lyon, bah c'était comme ça, et ça plaisait ou pas, ça m'a jamais fait souffrir. En tout cas, voilà. Peut-être que ça a fait souffrir mes amis qui avaient envie de me voir, mais moi ça n'a jamais été le cas, donc ça n'a jamais été une souffrance. Par contre, quand j'étais plus jeune, au collège notamment, j'ai pas forcément souffert de moqueries dues à la lecture, pas du tout, mais par contre dû à mes cheveux. voilà, donc là ça a été, je pense comme beaucoup de gens, on a tous eu des complexes ou quelque chose que les autres pointaient du doigt, qui a été mis en avant et qui a entraîné quelques petites moqueries plus ou moins importantes. Je sais qu'il y en a certains qui ont vécu du harcèlement, ce qui n'a pas été mon cas, hein. Mais bon voilà, moi mon surnom quand j'étais au collège c'était La Rousseau. Ce qui n'était pas forcément un compliment, je pense que vous comprenez pourquoi, mais voilà, c'était dû à mes petites bouclettes rousses que j'adore aujourd'hui, donc ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant parce que j'adore ma chevelure et que beaucoup de gens l'envient. J'ai vécu une enfance et une adolescence plutôt heureuse, je suis jamais vraiment rentrée dans un moule, j'ai jamais fait partie des populaires ou des impopulaires, j'étais un petit peu au milieu et je voguais un petit peu d'un groupe à l'autre, j'ai jamais voilà, fait partie d'un moule, fait partie d'une catégorie de gens, donc ça n'a pas toujours été facile à vivre je pense, mais j'ai toujours eu un caractère je pense assez fort, je me suis jamais laissée influencer par le regard des autres, par les réflexions des autres, et j'ai toujours fait ce que j'avais envie quand j'avais envie de le faire, que ça plaise ou non aux autres, j'ai toujours eu des idées très 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 arrêtées sur les choses, et comme je vous le disais juste avant, si un jour, alors que toute la classe, toute la promo du lycée allait en boîte de nuit, mais que moi j'avais décidé ce jour-là que j'en avais absolument rien à faire d'aller en boîte et que moi je voulais rester chez moi pour lire un bouquin, ben je restais chez moi pour lire un bouquin, et si ça plaisait pas, mais tant pis, qu'est-ce que j'en avais à faire? J'ai jamais souffert de préjugés, etc. parce que j'ai toujours une ligne de conduite que j'ai suivie,
Et j'ai toujours été très déterminée et jamais influençable. Pareil, il y a quelque chose dont je n'ai pas souffert du tout parce que je suis toujours restée très bien dans mes, très droite dans mes baskets, mais je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Parce que voilà, pour des questions de santé, d'idéologie, de philosophie, de conviction religieuse, tout ce que vous voulez, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Donc quand vous êtes adolescent et que vous sortez avec vos amis, que vous allez au bar, en boîte de nuit, vous avez toute la promo qui boit une bière. Et on vous demande, t'es sûr t'en veux pas hein? Non, non. T'es sûr t'en veux pas? T'es sûr, hein, tu veux pas goûter, hein, juste un peu. Alors je sais pas, est-ce que les gens se disaient qu'au bout de 3 fois me poser la même question, j'allais changer d'avis? Ça n'a pas été une souffrance parce que je suis toujours restée très très droite dans mes baskets, que je n'ai jamais cédé et que je n'ai jamais été influencée. Mais effectivement, quand j'étais au lycée et dans mes premières années de fac, ça a toujours été pas des remarques désobligeantes, mais... Je pense que dans le regard des gens, c'était « Oh là là, elle préfère être avec son bouquin plutôt que venir boire une bière au pub. » Bon, ben voilà, chacun son truc, j'ai du sang irlandais et j'ai jamais bu une Guinness de ma vie et je n'en boirai jamais. Ce qui ne m'empêche pas de beaucoup m'amuser quand je vais dans un pub ou dans un bal folk. Je danse beaucoup, je chante, je connais la musique, je tape des mains, je n'ai pas besoin d'une Guinness pour me sentir bien. Je pense qu'il faut, assumer ses choix, ses envies, ses besoins. Si vous aimez lire et que les autres vous cassent les pieds à cause de ça, si vous avez envie de passer un week-end à bouquiner et que votre entourage, vos amis ne comprennent pas, si c'est ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir, mais on s'en fout du regard des autres, on s'en fout des préjugés, lisez 5 livres dans un week-end, lisez 30 livres par mois, ou n'en lisez qu'un, peu importe, faites ce que vous voulez, lisez autant que vous voulez et peu importe ce que les autres pensent, faites-vous plaisir. Vous lisez de la romance, des harlequins ou lisez de la philosophie, lisez des essais historiques, faites-vous plaisir. Moi, ma ligne de conduite, c'est fais ce que tu veux tant que tu ne fais pas de mal aux autres. Voilà, et ça serait bien que tout le monde fasse la même chose. Sur ces paroles très profondes, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt, très certainement pour un point lecture, ou peut-être pour la vidéo sur mes soins capillaires, je ne sais pas. Je pense que l'update lecture vous plaira davantage. À très très bientôt, très belle lecture, autant que vous voulez, et prenez soin de vous. Salut !